santé des mineurs. Qui les amuse? Salut les soifards, aujourd'hui on parle du verre idéal pour la dégustation de ton breuvage préféré. C'est parti. Alors traditionnellement, quand tu reçois ton coffret aux fêtes de fin d'année ou à ton anniversaire avec ton spiritueux préféré, quand tu as des verres qui accompagnent donc ta bouteille, ce sont des verres de type old fashioned souvent. C'est le verre qui n'est pas du tout adapté pour la dégustation. Pourquoi? Parce que ce sont ce type de verres, donc de gros verres comme ceci, avec une entrée assez large, qui ne sont pas sur pied. Alors pourquoi en fait ça n'est pas intéressant de boire son spiritueux là-dedans? Parce qu'en fait, comme je disais, beaucoup trop large au-dessus, donc vous allez vraiment avoir les arômes qui vont tout de suite s'évaporer pour laisser place uniquement à l'alcool. Donc vous allez vraiment, dès que vous allez mettre votre nez près du verre, près de votre spiritueux, vous allez vraiment avoir le chute de l'alcool. Il n'est pas sur pied, donc vous allez le réchauffer au fur et à mesure de la dégustation. Un alcool, plus il est chaud, plus vous aurez la sensation alcooleuse. Donc c'est vraiment pas intéressant de partir sur ce type de verre. Chez Bushmills par exemple, chez Brocladi ici, c'est vraiment vraiment énorme. Puis vous devez mettre au moins 6 centilitres dans votre verre pour avoir l'impression d'avoir un petit peu de quantité. Ceux-ci aussi, bon, ils sont fun parce qu'ils roulent, hein. Vous voyez, voilà. C'est vraiment pour moi les verres qui sont vraiment totalement évités. On me dirait, mais pourquoi monsieur James Bond, fille grand gentleman qu'il est et connaisseur, boit du Macallan 50 ans dans ce genre de verre? En fait, je casse le mythe, il y connaît que dalle le mec. Et c'est sûrement du jus de pomme. Il faudra aussi éviter les verres colorés de ce type-ci. Pourquoi? Parce que bah, comme j'en ai parlé dans une précédente capsule où on parle justement de comment déguster son spiritueux, les trois étapes de la dégustation, le watch, le smell, le taste, bah, pour le watch, c'est pas du tout intéressant parce que le watch, en fait, on va vraiment ne pas pouvoir percevoir de 1 la couleur du produit pour pouvoir voir peut-être et déterminer dans quel type de fût ça vieillit. Comme je disais, fût de bourbon plus clair, fût de chéri, avoir ses reflets un peu acajou. Au niveau des textures aussi, on va avoir beaucoup plus de mal. Et puis, regardez encore une fois la taille de ce produit. Il faut mettre 15 centilitres dedans pour avoir l'impression d'avoir un petit peu à boire. Donc, évitez les verres colorés. Évitez ce type de gros verre. Alors, pour moi, le verre vraiment idéal, en tout cas, il y a deux formats différents. Il y aura le verre Copita, le type Copita, ou alors le verre Aporto. Alors pourquoi ces deux verres-ci sont vraiment idéaux pour la dégustation? Parce que de 1, ils sont sur pied. Hein. Ils sont sur pied, ce qui permettra donc de tenir votre spiritueux comme ça et pas comme ceci, comme dans un verre de type old fashion. Permettra de ne pas réchauffer donc votre spiritueux. Et en plus de ça, la forme est parfaite parce que vous êtes vraiment sur un bas qui est resserré. Le milieu qui est assez ouvert et le col qui est assez resserré. Ce qui va permettre en fait une parfaite fluidité des arômes dans le verre et qui va permettre de contenir aussi beaucoup mieux les arômes. Et ces arômes vont repousser cette sensation alcooleuse que vous pouvez avoir dans ce type de verre. Donc c'est vraiment le verre idéal pour vraiment essayer de retrouver les arômes au mieux. Donc d'ailleurs les master blenders des grandes distilleries utilisent ceci pour assembler, pour déguster, pour ressentir et pour pouvoir vraiment faire des comparaisons. C'est vraiment dans ce type de verre qu'on arrive à trouver les plus grosses nuances possibles au niveau du nez, au niveau organoleptique. Alors voilà, le verre Aporto aussi est intéressant, mais moi que je préconise vraiment, d'ailleurs vous en trouverez à mon avis bientôt prochainement au temple, brandé du Watch Smell Taste, c'est le verre de type Copita. Le verre Aporto est sympa, mais il est beaucoup plus fragile, en fait on en trouvera beaucoup plus aussi dans le commerce. Je trouve que le Glencairn a vraiment cette forme vraiment idéale pour la dégustation, et c'est intéressant à faire chez vous, mais c'est vraiment de prendre un verre comme ceci, avec le même produit dedans, et vous allez voir, vous comparez. C'est assez hallucinant de voir vraiment les nuances qu'on peut avoir au niveau senteur, au niveau arôme aussi. Et puis, bon, dans ce verre-ci, vous mettez 3 centilitres, vous avez l'impression d'avoir un beau verre, vous allez vraiment prendre le temps de le déguster. Celui-ci, voilà, vous mettez 3 centilitres là-dedans, bah, vous avez envie de mettre des glaçons dedans parce qu'il n'y a pas assez de volume. Donc, d'ailleurs, ce type de verre est vraiment utilisé pour faire donc, des cocktails, des old-fashioned.
d'où le nom du verre, où vous mettez en fait de la glace, un peu de bitter, à zeste d'orange, et c'est parti quoi. D'autres verres aussi intéressants, pour en parler, le Glencairn. Autant celui-ci, je le trouve vraiment universel pour tout type de spiritueux. Le Glencairn, je le trouve vraiment plus adapté au whisky. On le voit à sa forme qu'on a quelque chose voilà, d'un peu plus rustique, un peu plus gros. Je dirais pas grossier, mais en tout cas avec voilà, un peu plus de courbe, peut-être comme moi. Avec justement ce plus gros pied. Moi, j'aime moins parce que j'ai tendance à réchauffer un peu plus rapidement mon produit là-dedans. Donc, quand j'ai envie de boire un whisky, j'utilise quand même les Copita, mais ceci est très adapté pour les whiskies. Puis vous avez des verres qui sont vraiment propres, par exemple à la grappa. Moi, je trouve pas ça fort intéressant pour la dégustation. Au niveau du nez, c'est très compliqué. Vous allez vous servir un verre jusque la boule. Vous allez juste avoir ceci comme surface vraiment pour pouvoir ressentir, je trouve que c'est moins intéressant. Voilà, ceci c'est pareil, c'est des beaux verres, mais pour moi il n'y a pas d'intérêt au niveau dégustation, encore une fois. Mais tout ça c'est totalement subjectif. Vous choisissez le verre que vous voulez pour déguster. Moi je vous conseille ce qui est le mieux pour vraiment ressentir au mieux les arômes. Mais chez vous, si vous kiffez boire dans un verre Hardbeg où vous servez 10 centilitres, c'est votre kiff, d'accord? Avant tout, c'est vraiment votre plaisir personnel. Et puis bon, vous avez aussi les verres avec le petit capuchon qui permettra d'avoir vraiment ces arômes concentrés. Vous pourrez vraiment ressentir au fur et à mesure. Puis ce type de verre, voilà, qu'on trouvera sur des salons de spiritueux, c'est sympa, mais voilà, c'est un peu petit. Je trouve pas ça fort intéressant. Comme verre, en tout cas, pour boire un petit spiritueux chez soi. Voilà, j'espère que cette capsule conseil verri pour votre spiritueux vous a aidé et vous dégusterez au mieux votre spiritueux à la maison, comme ça. Ciao, à toutes.